Ce sont deux journalistes de France 3 qui travaillent pour le magazine Pièce à Conviction, qui sont partis au mois de décembre pour faire un reportage donc en Afghanistan et qui ont été enlevés dans la nuit du 29 au 30 décembre. Et à ce jour, ils sont toujours captifs. Apparemment, ils ont été beaucoup déplacés de vallée en vallée, de groupes talibans à d'autres groupes talibans. Et on n'a plus de signes, de preuves, en tout cas formelles, de vie depuis le 8 avril. Et c'est aussi pour ça qu'on organise ce rassemblement. Aujourd'hui, ça fait 6 mois, jour pour jour, qu'ils ont été enlevés. Et on attend tous leur libération. Il y a un contact, il y a des choses qui sont entreprises. Le ministère des Affaires étrangères nous assure que tout est entrepris pour essayer de les libérer. Le président de France Télévisions, Patrick de Carolis, et le ministre de la Défense se sont rendus en Afghanistan et à Kaboul la semaine dernière. Ils sont revenus avec des garanties. La première garantie, c'est que tout est mis en œuvre pour essayer de les libérer, que des tractations sont en cours. L'assurance, même si aucune preuve de vie formelle n'a été donnée, l'assurance qu'ils sont toujours en Afghanistan et qu'ils sont toujours en vie, et que les tractations avancent. Patrick de Carolis assure qu'il est assez optimiste, raisonnablement optimiste quant à leurs chances de libération. La difficulté, c'est de savoir quand, et que pour eux, ça doit être interminable. Pour nous, on trouve déjà que c'est long. Pour eux, ça doit être interminable. Donc on sait que ça risque d'être long, d'où cet intérêt de maintenir une mobilisation.